Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de toute puissance, comme à votre frère Kenjo Mukendi, le membre SEM de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez, l'actualité chez nous, c'est cette cérémonie grandiose de l'investiture du président Félix Tshisekedi qui a été réélu aux élections de décembre de l'année passée. Et le président Félix Tshisekedi a obtenu 73,47%. Alors, il y a les préparatifs qui se font. Je vais vous présenter une vidéo de la préparation de l'événement. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Bosa Ebele, Oyo Bo Pesingai, Oyo Bo. Vous êtes très nombreux, les amis qui ont essayé de me laisser des commentaires. Voilà, donc je salue Alissana, Papi Chamala en Suède, Beloti Mavungu, petite soeur propre, Maman Agnès Ngalula, je salue Maman Ghislaine Choa, je salue Bana Congo, je salue Biese Diasambu, je salue Octave Konzo, je salue Angéna Bakaji, je salue Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires. En tout cas, vous allez ébeler. Vous allez ébeler dans le temps à la Missoussou, tout et tout là. Alors, le banane nini. Bon, ma préparative, on va en parler. On va en parler après. Alors, d'abord, je veux parler de commentaires. Il y a Ndekonabiso, Pamphile Yanga, que je salue. Pamphile Yanga, il s'inquiète pour le Congolais. Quand il s'agit de leurs intérêts, comme vous avez vu, les députés, les candidats qui ont échoué, les perdants, ils crient, ils font des désordres, ils sont prêts à marcher, ils sont prêts à insulter quand il s'agit de leur intérêt personnel, de leur profit propre. Mais quand il s'agit des problèmes de la nation, là, ils ne marchent pas. Ils ne marchent pas, ils ne réagissent pas. C'est le cas du tribalisme. Donc, ma journaliste est mort, Bafani Nabango, comment je dirais, diaboliser toute une tribu. Pour rien, avec des mensonges. Pour rien au monde, avec des mensonges. Alors que, à l'époque de Kabila, Joseph, la Kabylie, il y avait des Rwandais dans le Parlement. Il y avait des Rwandais dans le Parlement. Mangachu était là. Mangachu était là dans le Parlement. Moïse Nyamurabo était là. Jeannette Kabila était là. Zoé Kabila était là, va battre campagne place Moroté. Député Bamoro. Personne n'a ouvert la bouche. Personne. Mais ils viennent avec des mensonges pour tromper, manipuler, intoxiquer les Congolais. Voilà, il y a une photo bête à CT. Et vous allez comprendre que c'est une stratégie. Une stratégie. Stratégie Nabaro, d'abord, comment je dirais, chauffer la marmite. Chauffer la marmite. Et leur stratégie va chuter le 20. Non, mais t'as mieux du solo. Le 20, organisation et opposition. Évidemment, excusez-moi, au sommaire, tu remets à du solo. D'abord, il y a préparatif, il y a investisseur à présent, Félix Tshisekedi. J'ai tenu, Jekoko Mulumba, confirmé AI, gouverneur de Kinshasa. Cacophonie autour de Katumbi. Katumbi contredit Olivier Kamitatu. Katumbi dit qu'il y a autre chose. Olivier Kamitatu parle d'autre chose sur le problème du boycott de la chaise vide. Et puis, on va parler de la Senko qui soutient le président Félix Tshisekedi. Et l'opposition crie au scandale. Il y
yango tombe dans ma solo yango ndimba ndimba nga pamphile yango do beta cete na likambwana azali ko insister makasi. Donc merci ndeko na ngai. Alors je salue Rebecca bana Congo na pesi mbote bana Congo dit oui. Cette élection de Kadima, c'était une élection à un esprit, à un niveau de pédagogie. On va le voir, on va encore le revoir en 2028. Et vous verrez que le nombre va diminuer. Alors, pour Bana Congo, comme Kenjo Mukendji, le Camerounais Charles Onana ne m'impressionne pas. Il y a Robert Damasola Congo, pas Nangai, Congolais, il ne m'impressionne pas. Voilà. Donc, je salue David Moulenda, Robert Mukendi, Mpunga Otiniel, Octave Konzo, que j'ai salué, Octave Konzo dit ceci, soyons unis, car la reconstruction, le développement et la sécurité du pays est le travail de tout le monde. Tout le monde. Il y a le cas, il y a Moutoumorote, il y a Batou, Nyonso. Évidemment, ma commentaire, Oyo, Nazu, et voilà. Ce que commentaire, Moko Oyo, Nazu, il y a des Wolangaï, Siabachimanga. C'est là où je vais un peu marteler. Qu'est-ce que mon frère me dit? Mon frère me dit ceci. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous considérez les écrits de Onana. C'est un peu teinté d'autosuffisance qui fait que vous n'avez rien à apprendre sur vous des autres. À ça, je dis non avec N majuscule. Évidemment, lisez le commentaire, lui. Il a dit pourquoi je pouvais. Bon. Mon frère, Tchaba Chimanga. Moi, je veux te dire ceci, mon frère. Je veux te dire la vérité. Depuis que les Africains, nos frères africains nous ont trahis, les 12 millions de morts ici, là, nos frères africains nous ont trahis. Ce complot international. Depuis nos frères africains, c'est pas seulement les Rwandais, c'est pas seulement les Ougandais, j'ai dit tous les Africains, nous ont trahis, même les Sud-Africains, même Nelson Mandela, dans cette histoire, il était là. Ils nous ont trahis. Alors moi, je suis, depuis ce complot, depuis que nos frères africains nous ont trahis, ils ont comploté avec les Occidentaux contre nous. Pour piller nos richesses, tuer les populations congolaises, je suis devenu sceptique, et donc qu'il est devenu sceptique et dubitatif sur leur sincérité. Que recherche Charles Onana sur le Congo? Vous vous êtes posé cette question? C'est un Camerounais qui s'élève, d'abord on l'appelle Franco-Camerounais, il se réveille un bon matin, il met des recherches sur le Congo. Pour quelle finalité? Quel intérêt? Est-ce que Charles Onana est-il sincère? Ou il place des messages subliminaux dans les consciences des Congolais? Qu'est-ce que Charles Onana connaît de plus que l'intellectuel congolais sur notre pays? Quoi? Qu'est-ce qu'il connaît de plus que l'intellectuel congolais? Pas du tout. Le Congolais connaissait le mixage, le brassage. Et on le connaissait et on savait la solution. C'est ça. Moi, je crois que mon frère Tchaba Chimanga, un conseil que je vais te donner. Un Camerounais ne peut pas m'apprendre ce qui se passe dans mon pays. Pas du tout. Il a mené ses recherches, tout là, mais regardez ses recherches qu'il a menées. Moi, pour moi, les recherches que Charles a menées, c'est biaisé. Selon moi, le problème de l'Est, les 12 millions de morts, si quelqu'un que je dois en parler, mener des recherches écrites sur le plan scientifique, je suis clair, sur le plan scientifique, sur 30 minutes, 25 minutes, je dois parler, je ne parlerai que de Bill Clinton, ce complot international, avec la complicité des Africains. C'est-à-dire Kagame, je vais en parler peut-être pour 2 minutes. Et 3 minutes, je parlerai des Congolais traîtres. Les Congolais traîtres. Ça, c'est selon moi. Ça n'engage que moi.
Je ne dirais pas, je ne veux pas lire ce genre de livre. Mon frère Tchaba Chimanga et tant d'autres Congolais, si vous voulez connaître la vraie histoire sur les 40 dernières années de notre pays, je vous exhorte à mener des recherches sur les mémoires et les écrits du Sphinx Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le premier docteur en droit. Là, vous connaîtrez la vérité. Les mémoires, les écrits sur la conférence nationale souveraine. Les mémoires et les écrits sur le dialogue intercongolais de Sand City. Étienne Tshisekedi, c'est lui le vrai rassembleur. Et vous parlez de la balkanisation, mais le Congo a connu la balkanisation. Le pays était divisé en trois parties. Jean-Pierre Bemba au nord, Rubewa à l'est, à l'est, Kabila à l'ouest avec les Français Kalongo. C'est Étienne Tshisekedi qui a marché dans le monde sur base de l'accord de Lusaka pour amener tous les Congolais à Sand City et réunir le pays. Personne n'en parle. Est-ce que votre Charles Onana en parle-t-il dans son livre? Il en parle-t-il dans son livre? Pas du tout. Selon lui, selon Charles Onana, si vous lisez bien le livre et si vous suivez bien ses interviews, Charles Onana présente les Congolais comme des nuls, comme des naïfs, comme des ignorants. Il le dit même de façon voilée. Il le dit même. Vous êtes là, la bino extrait. Vous allez écouter. Il vous insulte même. Charles Onana vous insulte même devant vos journalistes congolais. Il vous insulte. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Rendu public les documents de l'Union européenne pour qu'au moins les Congolais voient comment on leur ment les yeux ouverts. C'est-à-dire que... Donc c'est lui, Onana, qui va... Il dit qu'il a placé ce document pour que les Congolais voient comment on leur ment les yeux ouverts. Donc il nous prend comme des idiots. Donc lui, il ne sait pas que nous, on ne savait pas que les Européens nous mentaient. C'est lui qui vient nous informer. Et que nous, on doit accepter ça. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je suis fier de mon identité congolaise, de ma personnalité en tant que Congolais. Ce n'est pas un Camerounais qui vient m'apprendre les choses qui se passent chez moi au pays. Écoutez même ce qu'il dit ici, là. Écoutez. On vous insulte là, vous êtes là. Écoutez. Non. Vous savez, il y a un préjugé qui a la peau dure. C'est celui qui consiste à dire constamment que les Congolais ne sont pas sérieux, que les Congolais sont incapables, etc. Ce préjugé-là, moi j'en ai marre de l'entendre. Sous le président Mobutu, qu'est-ce qui se passait en Afrique? On disait qu'on avait peur de la division spéciale du Congo, tous les pays de la région avaient peur de la division spéciale, machin. On disait que le Zaïre avait des intellectuels de haut niveau, on avait des responsables au niveau de la classe politique qui étaient des gens très sérieux, très bien formés. Comment on peut nous dire aujourd'hui que le même Congo ne produit plus du tout des gens capables de faire quoi que ce soit? Vous constaterez que moi, j'en... Voilà. De façon voilée, il vous insulte déjà. De façon voilée. Oh, on n'est pas des intelligents. Là. Qui t'a dit ça là? Toi, Camerounais, Charles Onana. Va d'abord mener tes enquêtes chez vous. Vous avez le franc CFA, la monnaie de la colonisation. Va d'abord enlever cette monnaie. Vous avez un gouverneur placé par la France dans votre pays, Paul Biya, qui est là au pouvoir depuis de 50 ans. Alors, moi, je ne m'en charge pas, je m'acharne pas contre seulement Onana. C'est aussi le genre de livre comme Honoré Mbanda avait écrit. Ainsi sonne les glas. Répondez-moi, le livre de Ngwanda, est-ce que Étienne Tshisekedi wa Mulumba l'avait-il lu? Répondez-moi, si Étienne Tshisekedi pouvait lire le livre de Ngwanda. C'était un livre nul, bidon. Il n'y avait rien à l'intérieur là-bas. Ce que Ngwanda devait écrire pour que nous, les Kenjo Mukendi, qu'on puisse lire, il devait nous dire comment il tuait les gens de l'UDPS. Il a tué Kanana. Il a tué Kanana, un des pères fondateurs de l'UDPS. Il a tué le vieux Boulaboula. Je vous ai parlé de vieux Boulaboula dans cette émission. Qu'ils nous disent leur stratégie, comment ils nous racontent des trucs. D'abord, Mobutu a préservé, son vieux Mobutu a préservé le pouvoir
pendant plus de 20 ans, quand Mobutu se sent fatigué, il a appelé ses petits. Les Fundwao, les Ngwanda, les général Ndimbi, général Ndimbi qui prend un char de combat, qui prend le moteur du char de combat, il va faire des baleinières. Comment allait-il préserver le pouvoir? Et voilà, il vient céder le pouvoir aux Rwandais. Il cède le pouvoir aux Rwandais. Il tue le général Mayele. Il tue le général Mayele le 16 mai. Non, la nuit du 15 au 16 mai. Et le 16 mai, il traverse Brazzaville, il fuit. Après, les Rwandais prennent le pouvoir. Après, toi, tu vas me dire, oh voilà, ainsi sont des glas. Toi, Sikolamboka. Et moi, je vais suivre un perdant comme Ngwanda. Quand Étienne Tshisekedi le tirait les oreilles lorsque le pouvoir était détenu par Mobutu, il n'écoutait pas. Mais attention, moi, c'est vos livres-là nuls. Je ne peux pas lire ça. La RDC est l'objet d'un complot international planifié, exécuté à partir des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas Kagame. Moi, il ne faut pas venir me raconter ce genre de trucs. Je ne marche pas. Alors, les préparations de... C'est un peu ça. En gros, ce que je vais répondre, mon frère. Voilà. Alors, préparation de la journée de samedi, de l'investiture du président Félix Tshisekedi. Tout marche bien. Tout le monde se prépare. Voilà. Grande cérémonie. Préparatif et investiture et à Chifati Benton. Moukwa Tombolo, deuxième mandat président de la République. Avec des chevaux. Ici, hein. Au palais du peuple, nous assistons avec l'entraînement. Quelques patrouilles, il va ça là. Cheval, donc moi, je vais tomber sur Bango, Bapunda. Moi, je Bapunda, hein? Bapunda. Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous avez suivi. C'est un grand événement le 20 janvier, le samedi prochain. Donc, c'est demain. Aujourd'hui, c'est vendredi le 19, demain le 20. Tout le monde, moi, je parlais déjà de l'UDPS, section, cellule, fédération, c'est votre travail, Moussa Nabino. L'Union Sacrée viendra nous aider. Voilà, donc, je suis clair. Alors, dossier Ngobila et Gécoco. Force à l'État, le Léviathan. On ne terrorise pas l'État. Ngobila enfin humilié et Gécoco confirmé comme gouverneur à l'intérim. Voilà. Peter Kazadi, bravo. On ne défie pas l'État. Tassiko ne Ngobila, au komisiko yo humilié. Voilà. Bomoni, voilà. Ngobila yeyo, Sili, Bouzoba na enyozo, na mai. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend ceci. Fin de règne d'insubordination et d'arrogance de Gentil Ngobila, désormais ex-gouverneur de Kinshasa. L'ordre a été intimé à la police de ne plus le laisser accéder à l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc, ma petite ordre de la police, Ngobila, a quoi il s'est dans l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc, il s'est comme ça la police. Il s'est sous-souté sur une ligne. Alors, Ngobila a commis l'erreur. Il y a aucun dans l'hôtel de ville. Il y a quoi défier l'autorité de l'État, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Alors, bati qui est, bati pas qui était. Alors, à Ego Zoual, sous décision, sous, il a convoqué la convocation
d'une réunion des bourgmestres sans aviser le VPM de l'intérieur et la goutte d'eau qui a débordé la vase. Après avoir fait sa bêtise, Ngobila invite tous les 24 bourgmestres de la ville de Kinshasa dans une réunion pour préparer l'investiture du chef de l'État de samedi, sans informer le Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Directement, allez, Mukama Teddy, Benganae, Kendekuna, c'est fini. Voilà. Alors, il y a des gens qui viennent maintenant profiter de cet incident pour diaboliser les Kassaïens, les Balouba. Alors moi, je vais vous dire ceci. Si vous ne connaissez pas la politique, taisez-vous. En politique, on se fait des coups bas. Ngobila n'est pas de l'UDPS. Bien sûr qu'il est de l'Union Sacrée, mais il n'est pas de l'UDPS. Voilà. S'il voulait, il devait intégrer l'UDPS. L'IAU était du PPRD comme lui. L'IAU a intégré l'UDPS. Lui, Ngobila, au lieu d'intégrer l'UDPS, il a préféré créer son parti politique ACP. Donc, ces deux personnes morales se battent. UDPS et ACP se battent. En politique, c'est normal. On se fait de coups bas. Tu as commis une erreur. Tu es allé frauder à la Cour, à la CENI. Balongolio. Ah voilà. Chikoto Saraboni. On en profite. Ton longolio. Ton métier. Double patte. C'est ça la politique. Aux Abobali, qui est la justice, qui est notre samba. Tikaba Bilobela, le Bela, Pampa, Mangobila. Voilà. Donc, Bakisina, Onyostu, Namai, et Sili. Alors. Donc, laissez la tribu de Jekoko Mulumba tranquille. Laissez la tribu de Peter Kazadi et de Godem Poi tranquille. Battez-vous sur le plan politique. Au poli, au poli. Donc, si vous avez la marambe, mais là, vous avez un côté de s'il vous plaît. Et vous avez un côté de Kinshasa, vous avez la passivité. Vous avez un saranabino, vous avez un élément. Et je profite de l'occasion pour lancer un message à Jean-Marie Tchibangu, je salue. Je lance un message à Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï. Moutan, on écoute une vidéo à Tchibangu Kenji. Ah, mais la vidéo, oh, je suis tout parti dans un loba. Dans un contact, il y a Maître Oscar Moubiaï, le responsable de l'organisation État de droit en marche. Bataille la mission du Kambou. Oh, il y a incitation à la haine tribale contre le Balouba à Kinshasa. Bataille la mission du Kambou. Lui, au moins, je sais qu'il est très combatif. C'est un grand avocat, un grand juriste. Il peut aller assigner ces gens, le traîner à la justice. S'il vous plaît. Voilà. Au moins, avec ma journée, c'est un oyo. Bazo va inciter à la haine tribale ou à la haine mission. Boya, on a appelé pour recouta. Quand il y a Balouba la carte. Mawa. 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 Pitié. Tombe à Moukeba Yoana. Voilà. Donc, c'est pitié. Alors, Katumbi contredit Kamitap. Alors, Nachila Bino. Katumbi contredit Kamitatu. Alors, WhatsApp. Et les mains dans la Kachawa, ils ont Balouka Balouka, en attendant Nazela et Zonga. Alors, nous sommes tombés sur deux éléments. Je vais vous les présenter. Dans l'autre, on a vu Kamitatu, Olivier Kamitatu, une grande personnalité dans le parti politique de Katumbi ensemble pour les voleurs, pour les étrangers du pays, qui a fait une déclaration sur RFI, et d'ailleurs, le secrétaire général Augustin Kabouya l'avait recadré. Selon Olivier Kamitatu, il n'y aura pas la politique de la chaise vide. Tous les députés de l'ensemble qui ont réussi, qui ont été élus, vont siéger à l'Assemblée nationale, selon Olivier Kamitatu. Subitement, on voit Katumbi qui apparaît et qui dit, qui contredit le cerveau, en fait, puisque on doit se dire la vérité, Olivier Kamitatu est plus intelligent que Katumbi. Le cerveau de son parti politique, c'est lui qui écrit des discours, c'est lui qui écrit des textes, tout là, c'est Olivier Kamitatu. Évidemment, de l'autre côté aussi, les porteurs de mallettes de Katumbi.
Alors Katumbi vient, il dit que ils n'ont envoyé personne au Parlement. Voilà. Donc l'ancien Abino, bah vidéo à Robo Yoka, Nini WhatsApp à Zogo, à Zogo la backup, si mes gosses ont tout et tout là. Donc ce que je dis, Katumbi dit qu'ils n'ont envoyé personne au Parlement. Alors deux décisions contraires qui démontrent que le parti politique Ensemble pour la République est mal géré. Qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'avant de décider des bima, il faut que Katumbi a réunir ba instance décisionnelle y a parti naïe, a posé le problème sur la table, ba cadre, ba au cadre y a parti, ba débattre, et ba mis ça une conclusion. Donc tout le monde a supposé que non, deux décisions, il y a au cadre, il y a parti, Kamika de l'autre côté, Katumbi de l'autre côté, cela prouve que il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réunion, pas d'instance décisionnelle, c'est l'anarchie et la dictature du monarque étranger Katumbi, le Zambien, le Juif, l'Italien. C'est lui qui règne en maître, en maître absolu, en monarque absolu, dans le parti politique Nabaro. Débé Zaté. Contradiction Zaté. Voilà. Kamika te dit ceci, Yasoloba et le Gobo. Alors, on se pose maintenant la question de savoir qui va suivre cette décision. Qui va suivre cette décision? Ça sera très difficile. Alors, oui, WhatsApp et Fouami, dans la Xabino Sikoyo, l'élément mi balé. D'abord, Toyoka, Kamitatu, qu'est-ce que Kamitatu disait sur RFI? Écoutez. Pour les législatives, pour l'instant, vous avez remporté quelques 18 sièges. Est-ce que vous n'avez pas intérêt, Olivier Kamitatu, à former des recours si cela permet à plusieurs de vos candidats d'être repêchés? Nous n'avons pas foi dans une justice qui est aux ordres. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Il appartiendra maintenant à chacun des candidats qui se sentent lésés, qui disposeraient de leurs preuves. Le parti Ensemble discutera et nous verrons s'il faut ou non, parce que ce sont les voix du peuple congolais qu'il faut défendre. Si les preuves sont là, eh bien pourquoi pas. La question reste ouverte, elle n'a pas encore été tranchée. Donc, pas de boycott à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans le schéma institutionnel, mais également en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. Vous n'êtes pas pour la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Moïse Katumbi, c'est un homme de constance républicaine, mais Moïse Katumbi n'accepte pas la tricherie et il ne sera jamais le dindon de la farce. Olivier Kamitatu, merci. Vous avez écouté Bidomogo. Donc lui-même, il a dit que pas de politique de la chaise vide. Donc, bah, député Nabango Obaza élu, ils doivent siéger. Et ceux-là même qui se sentent, lésés, s'ils ont de preuves, qui partent à la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas stables mentalement. Olivier Kamitatu qui nous dit qu'il est intellectuel. Dans un espace d'une minute, il se contredit. On lui pose la question. Allez-vous dire à vos députés élus qui ont des recours d'aller à la Cour constitutionnelle? D'abord, il dit que non, parce que cette Cour constitutionnelle répond aux ordres de Félix Tshisekedi. Tantôt, en moins d'une minute, et il dit maintenant, voilà, ceux-là qui ont des preuves, ils peuvent aller, on doit préserver les votes de nos populations. Contradiction. En moins d'une minute. Et c'est bien intellectuel. Tu vois, il y a un avis dans Mwambampoi, que je dis, bravo, voilà des intellectuels congolais, oh, Mwambamboka. Pas de probité morale, pas de moralité. Il s'en fout éperdument. Évidemment, dans le Congo, Andimaki Idea, il y a un Mwambampoui. Voilà. Je salue mon vieux Toko Maurice. Vieux Toko Maurice, maman Jeannette Lélo, maman Sophie Condé, parfait go à la piscine, mot de Asnanga Lula, je te salue là où tu es. Voilà. Alors, Toyoka Sikoyo, Ziggy. Qu'est-ce que Ziggy dit? Francine Esther, je te salue là où tu es. Écoutez maintenant ce que Ziggy dit. Voilà, écoutez. Manifestation. Le parti Ensemble, je ne suis pas le seul à décider.
Nous allons nous réunir bientôt avec nos partenaires. Pour le moment, nous avions pris la décision de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons nous réunir et nous allons donner notre position officielle. Parce que parfois, on oublie, et nous sommes quand même chez nous en République démocratique du Congo, comment quelqu'un... Voilà, après ça, ce sont des bêtises qu'ils sont en train de raconter. Voilà. Il dit que nous n'avons envoyé personne. Personne n'ira à l'Assemblée nationale. Après, il dit, on va se réunir pour décider. Mais ça, c'est quel genre de logique, ça? Ça, c'est quel genre de logique? C'est un primérien. Un primérien Katumbi. Voilà. Quelle logique, ça? Voilà. Donc, c'est pitié. C'est la raison pour laquelle on se pose la question, qui va suivre cette décision? Qui va suivre cette décision? Qui va accepter de boycotter les élections? Qui va refuser d'assister à l'Assemblée nationale? Je vous avais montré la vidéo de Dominique Munongo à l'émission passée. Lui qui parle, qui lira, elle ira à l'Assemblée nationale. Alors, que je vous dis, je pose la question, qui va suivre cette décision? Difficile à répondre. Wait and see. Toutefois, que donc je dis ceci. Katumbi, l'étranger Katumbi, vient d'ouvrir une porte pour se faire arnaquer, pour se faire sucer de l'argent. Car selon moi, selon Tejomu Kendi, les députés de l'ensemble qui vont accepter de boycotter le Parlement, c'est-à-dire qu'ils vont accepter la décision de Katumbi, Katumbi doit leur rembourser leurs dépenses. Dépenses, parce que là, il y a une campagne électorale, Katumbi va rembourser. Bah, d'une part, et d'autre part, Katumbi va les payer salaire. Oh, bah, 21 000 dollars fois 60 mois. 5 ans, 60 mois. Bon, wana, tu Katumbi, a pesi bango, dépense na bango, oh, bah, ça la campagne électorale, je crois que bako on dit. Sinon, t'es Katumbi, échec, bah, aucun été. Bon, mon est. Et de l'autre côté, que Jomou Kendi avance, dit ceci, Fachi Beton, on t'a élu 73%. Donc, peuple congolais, 73%, 47%. Le peuple congolais, Aza est uni. Donc, dans ton sein, alors, Fachi Beton, au sein du gouvernement de l'âge non national. Donc, Benda quelques battu à Katumbi, Benda quelques battu à Fayoulou, quand ça va dans le gouvernement, si ma beauté m'a tolé, c'est comme ça. Alors, le côté côté Katumbi, côté cacophonie, contradiction de Katina Baro, la Senko, par contre, accepte de soutenir le président Félix Tshisekedi, accepte d'accompagner Fachi Beton. Alors, Totanga, qu'est-ce que la Senko dit? Les évêques de la Senko se proposent d'apporter de l'aide à Félix Tshisekedi pour la réussite de son second mandat. Au-delà de ce qu'il qualifie de chaos électoral, les prélats catholiques appellent le président de la République et les autres instances du pays d'user de la sagesse, de l'intelligence consciente pour bâtir un Congo nouveau dans l'unité et la paix. Voilà, Basango, Moutoubalobi, Bata Senko. Au président de la République, Senko Nazoulou, au président de la République, d'être le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Nous lui apporterons notre contribution susceptible de l'aider à réussir ce deuxième et dernier mandat pour l'intérêt du peuple congolais, indiquent les évêques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a tiqué? Quelque chose m'a tiqué. Écoutez ce qu'ils disent. Nous lui apporterons notre contribution susceptible de l'aider à réussir ce deuxième et dernier mandat. Nakati kuna babandi ko attaquer biso. Dernier mandat. Voilà. Il y a dit qu'on va changer la constitution. Pourquoi ils insistent pour dernier mandat? Qu'à cela ne tienne. Faisons avec ce qu'il y a. Il dit qu'il soutient le président Félix Tshisekedi. Venez, voir au soutenir. Mais, on a réfléchi très loin. Ce soutien de la CNCO au président Félix Tshisekedi ne vient pas d'eux. Ne vient pas des prélats catholiques. Je ne pense pas. Ne vient pas d'Amongo ou des Choles. Je ne pense pas. Je crois que ça provient de leur maître les Occidentaux.
occidentaux va dire voilà, bandimi fati. Voilà, yango ne suko va dire que non. OK, bon tikaye pour soutenir. Alors, de l'autre côté, quand la CENCO a fait cette déclaration, l'opposition crie au scandale. La CENCO s'est fait politiquement complice des fraudes électorales en faveur de Tshisekedi. La communication attendue de Monseigneur de Nassachiel Cholessu, le candidat qui avait obtenu le maximum légal des voix, s'est transformée en une communication de soutien à l'imposteur. Voilà. Donc, Baleli Namunouamboka, opposition Yapete. Alors, de l'autre côté, le peuple congolais, avec son chef de l'État, réélu Fati Béton, nous ont préparé cérémonie investiture. Il y a samedi le 20. Fayulu, Katumbi, Anzuluni préparent le désordre le 20. Le 20 Oyo. Alors, Toyoka, Makamni Balobi, Toyoka Makamni Balobi. Alors, Tila Bilan, on pour TV5, vous tapez ces informations. Trois candidats de l'opposition en RDC appellent également à manifester leur mécontentement samedi, jour de l'investiture du président sortant, Félix Tshisekedi. Il s'agit de protester contre ce qu'il qualifie de braquage électoral. Reportage d'Adi Songo Ozo, récit lors de Matos, Véronique Pérez. Derrière cet ordinateur, deux candidats malheureux à la présidentielle congolaise. Martin Fayulu, crédité de moins de 5% des voix au scrutin du 20 décembre, et Floribert Anzuluni, qui n'a pas passé la barre des 1%. À l'autre bout du pays, un troisième opposant, Moïse Katumbi, depuis l'une de ses résidences au Haut-Katanga, lui a obtenu près de 19% des suffrages à la présidentielle. Lors de cette conférence de presse virtuelle, les trois opposants lancent un appel à leurs compatriotes. Refuser ces résultats et sortez le dire dans la rue samedi 20 janvier, jour de... Voilà, vous avez écouté. C'est TV5 qui relaie l'information. Voilà. Fayulu, Katumbi, Anzuni, opposition à Pété, prépare le désordre le 20 janvier. Parce qu'ils savent que le jour de l'investiture du chef de l'État, président Félix Tshisekedi, le 20 janvier, c'est-à-dire demain, il y aura des invités de marque, des hôtes de marque. La délégation du président américain Joe Biden, Bazoya, le président égyptien, le président algérien, le président Kili Kilisassou Nguessou Barozala, plus de 15 chefs d'État Barozala, la cérémonie en haut. Yamana Barou va profiter, ça va être désordre. Mais je vous avais parlé, je vous avais dit tantôt ceci. Donc vous comprenez maintenant pourquoi vous avez écouté les journalistes en train de diaboliser les Kassaïens, les Baloubas. C'était une stratégie concoctée au niveau de Fayulu Katumbi. Bazu Yango, Bamemi Yango, Ti na RFI. Je vous ai Boyora dit RFI a relayé cette information. Oh voilà, les Kassaïens, les Baloubas, Bazu va poster Bélé. Heureusement, Augustin Kabouya a recadré. Et vous avez écouté même Olivier Kamitatou en parler aussi. C'est un tribaliste, Olivier Kamitatou. Et maintenant, que Jomo Kenyatta a compris maintenant pourquoi ça se faisait. C'est-à-dire, préparer le moral des Congolais. Préparer le moral des Congolais en diabolisant les Kassaïens, en diabolisant les Baloubas. Alors le 20, lancer l'assaut. Lancer l'assaut final contre les Baloubas partout dans le Congo. C'est ça. C'est-à-dire le 20 Oyo janvier, Fayulu, Katumbi, Anzuluni Mebe, basé sur la stratégie, il y a Koboma Baluba le 20 janvier. Quand on fait du séquit dans une investiture, on va commencer à attaquer les Baloubas partout. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé d'abord à diaboliser les Baloubas. Oh voilà, fait du séquit dit. Parlement au bâtier, ma candidat au bâtier, ce sont les Baloubas. Fausseté, mensonge. Mensonge d'abord. Je ne parle pas d'intoxication, je ne parle pas de manipulation, je parle mensonge. Et préparer les populations d'autres tribus à se rebeller, à se révolter contre leurs frères Kassaïens Baloubas. À Kinshasa, au Katanga, partout. C'est ça la stratégie. Baboua qui est aujourd'hui, le 20 janvier. C'est la raison pour laquelle Kedjo Mukendi interpelle l'UDPS. On a l'UDPS. On a un membre de l'UDPS. Avant tout. Donc,
On a deux travails. UDPS a deux travails. Qu'on tourne sa stade pour l'investiture et qu'on contenir bah, tribaliste Oya Fayou Nakatumbi. Lobby samedi. Voilà. Donc, mort au circulé. Bah, on tient l'air en jeu. Qu'on constate que vous avez la malouba, le babou. Mort au tambo là. Bah, on pèse un mort pour battre côté la malouba. Bah, pour ma malouba, le 20 janvier. C'est ça leur stratégie. Donc, il faut tout élément. Jacob Béa, force du progrès, nous allons y avoir. Amici Makuta, non, Ligue des jeunes, Moussa Nayo, Yangoyo. Donc voilà. Donc, je m'en ai lobby. Merci Boyoki. Alors, j'ai un communiqué du niveau de l'armée. L'armée demande le rapatriement du corps du soldat congolais tué au Rwanda. Donc, le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, a demandé, Bazongi Saba a rapatrié le corps du militaire, soldat, il s'en va congolais, au Baboumaki, dans la petite, ce qui est grande Bayer ou petite Bayer, mon vieux bibi de Casso, aïe, ma gambo, voilà, donc Baboumaki est tout et tout là. Alors, voilà, ils se sont justifiés, Bakéi qu'on trouvait, ils sont allés trouver, l'armée congolaise dit avoir ainsi saisi le mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du corps du militaire tué et la libération de deux autres capturés. Voilà. Les Ababilo et Salimara. Mais toujours, à déjà partir, il y a Kisha Makuna, drone, et Zaliko pilonnez au Boma, Batebele. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo de Thierry Mosenepo. En tout cas, écoutons ce qu'il dit. Maramazo Loba. Boyoka Maramazo Loba. Personne n'est à la base de la victoire de Félix Tshisekedi, si ce n'est Félix Tshisekedi lui-même. Nous tous ici, Jean-Pierre, nous avons bénéficié de l'aura de Félix Tshisekedi pour avoir les voix que nous avons eu à avoir ici à Lukunga ou partout ailleurs. Parce que nous étions ici en 2018, à certains endroits pour y aller, on était obligé de trouver la photo où on avait mis Chadari comme candidat. Il faut dire la vérité. Voilà. Donc, moi, je crois que Torosenga Naba, leader et union sacrée, Batika, le président Félix Tshisekedi, libre de former le gouvernement. Boyoki Thierry Mosenepo n'a lobby. Donc, Boya Gobet, il a fait ma solité, oh non, il a mouillé maillot, puisqu'il est battu tout et tout là. Oui, on a vu Jean-Pierre Bemba travailler, on a vu ça. Ça, c'est vrai. En termes de stratégie. Aux hommes, on a vu Jean-Pierre Bemba travailler en termes de stratégie. D'ailleurs, Kabis et Katumbi, c'est Romy Koulougas, qui ont créé la confusion entre Félix na Jean-Pierre Bemba. Mais ils vont échouer. Donc, leader et union sacrée, laissons Félix Tshisekedi libre à former gouvernement, à placer pionnier librement. Voilà. Et monsieur Siri, prions pour l'Afrique. Prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Monsieur Somalou Lepes, et prions pour l'événement de samedi des ordres à la T. Baba, à la prochaine.